Nous sommes de retour. Ah, petit café bien chaud. Alors, il est temps, nous sommes prêts, prêts à l'action, et nous allons enregistrer cet épisode. Est-ce que Kaoru de Millennium est allé trop loin? Christiane a un ami qui est avec un costume terrible, qui veut aider pour un épisode. 6000 d'onimat maximal. L'endroit, c'est où les pigeons vivent. Sur les toits, hein, probablement. Il faut causer du dommage au monstre boss dès le premier tour et gagner en 10 tours ou moins pour la première partie de la bataille. Pour la deuxième, il faut que tous les acteurs soient au-dessus de 50% de santé tout du long et battre le boss avec Kaoru de Millennium. Est-ce que l'humour de Kaoru de Millennium va trop loin? C'est vrai, Polyplay, c'est vrai. Qu'est-ce que j'ai pensé de Kung Fury? J'ai pensé que Kung Fury était un nanar très sympathique à regarder. Et je salue l'intelligence du réalisateur-acteur qui a fait que le film ne dure qu'une demi-heure. Voilà. Quand vous faites un film où vous savez que le film est une vanne, c'est bien de faire court, de voir court. C'est-à-dire que Kung Fury est un peu lourdingue, mais il est assez court pour que finalement ce soit extrêmement distrayant et rigolo. Voilà. Alors... Mon ami m'a dit qu'elle viendrait enregistrer un épisode. C'est elle qui a un costume de pigeon terrible. Je ne pense pas que nous avons besoin d'elle, Christiane. Nous avons besoin de monstres mieux et plus élaborés. Je suis désolé, mais je n'annulerai pas la venue de ma copine. Nous aurions peut-être besoin de quelqu'un d'autre avec un meilleur costume la prochaine semaine. Pas besoin d'annuler, Christiane. Mais nous devrions écouter Kaoru de Millennium et viser une meilleure qualité. Soudainement, une silhouette samouraïesque apparaît dans le set d'enregistrement. Wow! Est-ce que les épisodes de Webinar Rangers TV Cedrix sont enregistrés ici? Oui, mais qui es-tu? Je suis le seul et l'unique samouraï rouge préparé. Ah mon dieu! Est-ce que nous combattons du côté du samouraï cette fois-ci? J'imagine. Cool ton costume! Ok. Donc, il faut dans un premier temps faire. Il faut toucher le boss au premier tour, ça, d'accord. Ok. Tout le monde peut s'en charger. Ah, on a mis du mouvement à Christiane et nous avons bien fait. Travail d'équipe. Casser la gueule. Paf. 200. Ah là là, il pouvait peut-être one-shot tout seul. Quoique non, ils ont 150, d'accord. Un manu de ball, pas assez de mouvement. C'est la Théon. Oh, il a dodge, il a dodge. Ah mais du coup c'est foutu. Ah, il avait beaucoup de dodge, il fallait que je mette toutes mes tous les mecs dessus parce qu'il avait beaucoup d'esquive sûrement. Oh, la baiserie. Wow. Oh là là, et du coup c'est mort. Je suis écœuré. Je suis écœuré. Magnifique. L'alignement des fions est disponible. Tout
pouce à Marseille. Putain, je suis écœuré, quoi. Oh là là! Gros relou, gros relou! Bon allez, tant pis, je prends le risque, on va direct lui mettre une fouille webédianale. J'ai une au préfère avec moi. Et c'est parti, avec les armes, hein. En mode, on veut t'annihiler. Fouille webédianale. Alignement des fions et des armes. J'espère qu'il va pas esquiver. Il a dodge. Il a dodge un truc. Ah ouais, non, mais c'est tellement violent. Putain, fait chier. Si seulement on l'avait touché, on avait tout. Shivakode. Ah, je vous ai failli. Mais ce n'est pas terminé. Ah mon dieu, je suis sûr que j'ai entendu ce nom avant dans un show de Samurai. Nos références sont si obscures. Eh bien, peu importe. Qui? Ah, oui, recruter ce mec. Eh bien, c'est un bien meilleur costume que ce terrible costume de pigeon. Quand soudain, la fille au costume terrible de pigeon arrive sur le plateau. Bon, le débat sur l'humour, oh, laissons ça de côté, voilà. Au bout d'un moment, il faut laisser les choses de côté. Il faut laisser les fleurs se faner pour trouver de nouvelles fleurs. Ah, re Justin Poulet. Ah bah tiens, en parlant de Justin Poulet, mais tu es le terrible. Enfin, je veux dire, la fille au costume de pigeon terrifiant. Bon, vu que tu es là, enregistrons. Mais, fais attention à des... Allô? Oh le... Oh mon dieu, est-ce qu'on est encore en live? Waouh! Les lumières se sont éteintes et les écrans se sont éteints pendant 2 secondes. C'était pas du tout flippant, mais a priori nous sommes en direct. Fais attention, Kaoru de Millennium, elle est assez forte pour te taper comme un camion de plein fouet! C'en est assez, vous deux! Allez, allons sur le bon plateau! Oh mon dieu. Oui, tremblez de peur, jeuxvideo.fr. Il m'appelle la colombe de est-ce que la science est allée trop loin. Et vous verrez que la science n'est pas allée encore assez loin. Vilain à moi. Ouf. Un mème, vraiment? Ce n'est pas un forum en ligne, qui a écrit cette merde? Oh là là. Un son de pigeon? Tous les acteurs doivent être au-dessus de 50% de santé et battre le monstre avec le boss. Alors là, pas d'embrouille. C'est un job pour Christiane Taubira. Coup de pied circulaire! Hallucinant! Combien de santé? 260? Oh, j'ai envie de tenter le sombrero malgache. Ah oui, mais comme un con, j'ai fait attaquer... Mais ça va être ridicule. Plaçons les autres quand même. Ah non, ce n'est pas possible. Toi, tu peux te placer. Casser le cul.
casser le cul. Ah, tu n'as pas besoin de frapper si fort, Kaoru de Millennium. Je suis désolé, Christiane. Je ne me fais pas payer pour me faire casser la gueule de la sorte. Je jure que je ne voulais pas faire le mal à personne, mais ça ne peut pas avoir l'air faux. En fait, Kaoru de Millennium, tu es devenu un peu un salaud depuis que Gaga est apparu. Désolé tout le monde, j'essaye juste de rendre le show le plus ouf possible. On n'a pas fait beaucoup de dimat, principalement à cause de Samurai qui a esquivé nos coups. Oh là là, on récolte que 350 fans. Ah, y'en a un qui était un peu moins saucé. Un bon épisode. Le dernier épisode était bien, mais pourrait être mieux. Deux mails. Date de sortie. Allez! Quand est-ce que le jeu vidéo sort? Arrêtez de poster des images de bouffe sur Facebook! Sortez le jeu! Quoi? Ouais! J'ai donné la thune sur Kickstarter! Et j'ai pas une seule update de Kickstarter! Allez! Je vous ai balancé trop de pognon! J'ai balancé trop de pognon à mon moniteur! Je veux jouer au jeu, merde! Chère personne qui joue au jeu, jetez un coup d'œil à notre bénéfice augmenté. Et je pense qu'il est temps d'augmenter les salaires. Est-ce que vous le considériez? Le mien d'abord, puisque je suis le lead. Merci. Ah merde, c'est Kaoru de Millennium, quoi. Est-ce qu'on lui augmente son salaire? Nos salaires? Je sais pas, je dis oui, j'en sais rien. Ouah! Le sushi de Jiro n'a jamais été aussi si proche. Ah mais non, mais le Jiro, Jiro sushi, mais non, mais pas les sushis de Jiro. C'est 200 euros pour bouffer chez Jiro. Les meilleurs sushis de l'univers. J'aurais jamais dû augmenter le salaire. Il va encore prendre la grosse tête, saloperie. Je vais lui mettre ça, elle. Je vais lui mettre ce casque-là. Allez, donne-moi le plastique. Le plastique, c'est fantastique. Ah oui, mon mecha est très bien. Est-ce que je fais l'OPSP Heroes of the Storm contre Millennium? Eh bien, Heroes of the Storm, ça a l'air très rigolo. Tout le monde dans l'open space y joue. Mais pas moi! Donc non. C'est dommage qu'on ait pas de perso qui puisse manier l'arc. Le charisme, quoi. Est-ce qu'il y a des choses que je peux upgrader au studio? Ça coûte cher. La mutuelle. Si j'augmente la mutuelle, tous les acteurs ont plus 20% de HP au lieu de plus 10%. Eh, pourquoi pas. Si j'upgrade le banc de travail... Plus 25 en crafting rate. Ah non, non, le workbench, je l'établis. Ok. Crafting rate plus 40. C'est-à-dire... Je crafte mieux. Je crafte moins cher. Drop rate plus 10, on l'a déjà, il n'y a pas d'upgrade. On peut upgrader les lampes. Pour passer à moins 10% de chance que l'ennemi esquive et contre-attaque. Pourquoi pas. Upgrader pour 1500 les boîtes. Pour que le mecha et plus gagne 20% de HP. On gagne aussi des boîtes en métal. 2500 pour upgrader le shop et avoir de meilleures offres. C'est l'assist du groupe qui a l'arc en tout cas dans ta partie. L'assist du groupe. Ouais, mais j'ai changé un peu les jobs. Je vais prendre la mutuelle. Paf.
Ouais, limite, on va tout upgrader, hein, après tout. On va aussi prendre... les lampes, voilà. Les ennemis esquiveront moins. Allez, c'est parti, il nous reste 2 épisodes. Il n'y a pas de nourriture du tout. Dans une convention animée ou un jour au parc avec le pique-nique. Allez, tentons, c'est une bataille courte. Nous allons nous rendre à la convention. Oh, regardez, c'est la convention de Sentai et des salles d'arcade. Une superbe maquette. Ah, d'accord, Chandra Seca, merci. En effet, plus de propriétés random quand on craft un objet. Maintenant, Salmonella, j'ai essayé de lui mettre l'arc et il voulait pas. Alors que oui, ça me semble évident. J'adore cette convention! Peut-être que nous pourrions trouver la figurine de Mikaka! J'adore ce personnage! Non, 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 Eden est bien plus cool qu'elle! Oh, j'ai faim! Est-ce que l'un d'entre vous veut un cupcake? Je vais en chercher quelques-uns. Ouais, pourquoi pas? C'est bizarre! L'endroit est vide, comme si quelque chose s'est passé, ou si quelque chose était sur le point de se passer! Allô? Est-ce que quelqu'un est là? Oui, désolé, mon nom est Steven McFeely, comment puis-je? Wow! Attendez! N'es-tu pas Kuro de Millennium de jeuxvideo.fr? Je suis un super fan, comment puis-je t'aider? Oui, je le suis. Eh bien, est-ce que vous vendez des cupcakes? Je n'en vendais aucun. C'est un magasin de hot dog, un stand de hot dog. Mais quelque chose de bizarre s'est passé plus tôt. Tout le monde a disparu de la conférence et un mec bizarre est parvenu des ombres. Il m'a dit que je devais vendre ce cupcake à quelqu'un d'important. Je suppose que c'est toi. Oui, c'est certainement très bizarre. Alors donne-moi 2 cupcakes. J'ai juste celui-là. Hein. Ah, ok, eh bien je le prends. Eh, pourquoi est-ce qu'on ne partage pas le cupcake? Eh bien, je fais plus du boulot difficile en tant que personnage principal, donc je mérite un petit peu plus. C'est pas juste. Je pourrais t'en préparer plus tard, Malute Ball. Quand soudainement, un son vraiment bizarre fit écho. Et le cupcake qui avait l'air délicieux se transforma en un monstre terrible, oh mon dieu! Non! Tu étais supposé me séparer en de petits bouts et me manger comme une équipe! Et ensuite, je vous aurais tous explosé de l'intérieur, erg! Salut Krawek. Que hein? Mais que... qu'es-tu? Mais oui, tout fait sens maintenant. Je suis dans le show, c'est génial. Oh, tu avais un plan si démoniaque. Et oui, évidemment, c'est pour ça qu'on appelle le cupcake méchant. Oui, reste loin mon sucre. Oui, tu as ruiné ton propre plan. Non, mais comment ai-je pu non? Eh oui, doux comme le sucre, dur comme la glace. Eh oui, fais-moi mal une fois et je te casserai la gueule 2 fois, vilain. C'est le bordel. Oh là là, mais combien? Combien sont-ils? Comment traversent-ils les murs? Monsieur Cupcake méchant, allons-y! Mais attendez. As-tu le droit d'appeler autant de vilains? C'est pas juste! Alors, je m'appelle moi-même pour aider jeuxvideo.fr en tant qu'excuse pour avoir essayé de vous vendre cette saloperie dans vos ventres! J'adore quand des fans aléatoires nous rejoignent pour ces batailles! Non! Je ne suis pas juste un fan random, Salmonella. Je suis un grand mathématicien et j'adore les jeux de combat.
et j'ai développé des compétences de mathématiques qui pourraient être extrêmement utiles. Principalement contre les monstres. Je me demande toujours ce que le spectateur moyen pense de nos épisodes. Peut-être qu'ils se perdent vraiment. Ils sont vraiment perdus des fois. C'en est assez. Combattez-moi maintenant, jeuxvideo.fr. Battre deux ennemis dans le premier tour et casser la gueule à tout le monde. Avant de casser la gueule, boss, donc. Alors, qu'est-ce qu'il nous raconte, ce mathématicien? Il a la hache mathématique. 250% de dommages à une cible adjacente. D'accord. Bah tiens, fais-nous rêver. Le cooldown, c'est indiqué. 3 tours. H mathématique. Donc battre deux ennemis dans le premier tour, ça va le faire. Teamwork. On va faire une petite acrobatie pour gagner du skill. Wow. Pour gagner surtout de l'audimat. Afin de faire la transformation. Merde, je crois que Christian Taubira, on a l'alignement des fientes disponible, mais on va pas le faire tout de suite, ce serait du gâchis. Teamwork. Christian. Ah bah Yannion YouTube aussi, tout le monde était là. Paf. Oh là là, incroyable. 5 combos. Yo YouTube qui one-shot avant même d'aligner les fions. Oh là là, attention, le coup de la langue. Ok, ça va. Oh là là, ils vont tous me flinguer à l'infini. Du coup, j'hésite à me transformer maintenant. Je vais prendre le risque. J'ai beaucoup de points de vie. Paf! Nerf, please. Christian Teamwork. Manu de Ball Teamwork. Karou se place. Christian se met là pour soigner un peu les copains. Quoique c'est surtout Nio qui a besoin d'être soigné. C'est ridicule. Casse la gueule. Fantastique quadruplé. Il y a un type louche caché derrière la borne d'arcade tout à droite. Attention. Wow, dynamite. Ok. On va aligner les fions bientôt. C'est même sûr. Ok. Ah oui, en effet. C'est un caméraman dissident. Allez, alignons les fions tout près du boss. Ah oui, mais il s'écarte tout ça, Marseille. Sans faut casser la gueule à tout le monde avant le boss. Et il y a ces deux qui restent cachés là, ça va m'emmerder. Coup de pied circulaire. Bravo Christian. Un nio de YouTube qui n'a jamais le temps. Dag de l'éclair. Et casser la gueule. Polyester. Teamwork. Salmonella. Paf. Téléportation. Multishot. Je prends un petit risque, mais je pense qu'il peut le faire. Il peut le faire. Il y a un méchant caché derrière les escaliers à gauche. Quel escalier? Oh là là, saloperie.
Enfin, si c'est ce mec là, d'accord. Oh, belle esquive, Manu de bol. Ah non! Pas mon mathématicien! Oh, belle esquive. On se garde le cupcake pour la fin. Ramène-toi. L'assaut de l'aigle. Casser la gueule. Paf! Coup de lance. Finish it. Non, pas encore. Oh là là, il est si faible! J'ai pas utilisé mon gun tout de suite parce que... Merde! Christian, viens! H mathématiques! Est-ce que je connais Wankill Studio? Bien sûr! Ok, donc il reste plus que cette monnaie-là à jouer. On peut attaquer ou soigner. Ça devrait survivre, donc on va attaquer pour l'instant. Et pas avec l'arme, je garde mes armes pour le coup. Oh là là, oh là là! Salmonella, le critique! Et oui, parce que pour avoir le boost d'Onimat... Oh non, il fait pas le con! Il fait pas le con! Le con! Il a contré deux fois! Abruti de matheux! Steven, merci pour ton aide, connard! C'était génial de combattre à tes côtés! Maintenant que le méchant cupcake est parti, peut-être que les gens reviendront et je pourrai continuer à vendre mes hot dogs! Putain, mais Verdier qui nous fout dans la merde! Décidément! Ce jeu est criant de vérité! Est-ce que tu pourrais nous en faire un pour chaque nous? Nous avons encore faim. Ah là là, mais du coup là, on aurait pu avoir un boost d'Onimat hallucinant et là l'audience est mauvaise. En fait, ouais, je cultive mal mon audience. Faudrait que je fasse des acrobaties de groupe partout et que je fasse temporiser les ces épisodes en un seul tour, en une seule phase. C'est médiocre, hein. Boxing Day has come. La boîte noire est arrivée, comme la tradition le veut. Alors. Oui, voilà, super. Ah oui, voilà. Que Dieu bénisse le dieu des cartes. C'est vrai qu'on s'est inscrit à un truc de carte magique ou je sais pas quoi. On obtient plein de boîtes, c'est cool. Tu es écœuré. J'ai que 1300 boules, alerte marketing, parce que il faut, ça fait déjà 3 épisodes, on doit reprendre un nouveau sponsor. On va se faire du pognon, tiens, voilà, j'en ai marre. Paf, 3 épisodes, le pognon. 800$ par épisode, 500$ par épisode. J'ai pas le temps, moi. Et en plus, ça me donne ça, des trucs pour les mechas. C'est parfait. J'ai pas pris le meilleur casque sur le méca. Oui, oui, je sais. J'ai pris le troisième casque qui avait l'air bien aussi. Ah oui, plus 50% à la défense, ça déconne zéro. Est-ce que j'ai de quoi de faire un vinyle? 4 plastiques, est-ce que j'ai quoi de faire 3 plastiques supplémentaires? Non. Ah, pour faire de la plaido. Ah oui, non, vu que c'est... Mais on peut acheter également des packs de choses. Ça contient 5 éléments aléatoires de ce type. Ah, on pourrait avoir du gold tape du coup. Oh, je veux. Allez, du gold tape, du gold tape. Gold, gold, gold. Mais oui, parce que je peux upgrader mon mecha du coup. 90 de défense si je mets ça. Où il y avait un truc absolument nonsense de merde. Plus 50% de santé au mecha. 15 000 de repair après chaque knockdown. Il faut un métal et un gold. Alors pour faire un gold, j'ai besoin de 4 silver, donc c'est bon. Paf!
Et pour faire un métal, j'ai besoin de 3 planches de bois. Et c'est bon. Joie et volupté, les petits amis. Paf. Yoann Verdier, tu nous as foutu dans la merde. Avec ton coup de hache mathématique. Et regardez, incroyable mais vrai. Le méca devient possédé. Nous lui mettons les méga jambes. Méga jambes. Ah, et on peut encore les augmenter derrière, ça ne s'arrête jamais. Incroyable. Je peux fusionner les matériaux et aligner les fions. Nom d'un fion. Il est 11h55, pas de raid aujourd'hui, pas de raid tous les jours. Sinon ça n'a pas de sens, ça perd de sa saveur bien entendu. En ce qui me concerne, je vous retrouve à 17h pour indéfinitivement. Et puis là, alors allons voir, jeuxvideo.com, jeuxvideo.fr. La TV2, je veux regarder la TV2, c'est ma télé. Voilà, Sephiroth maintenant. Alors si vous avez, si Sephiroth vous manque, il Twitch sur son stream, sur son Twitch perso maintenant, Sephiroth. À midi également. En attendant que le nouveau programme du 12-15h arrive sur la Powerplay. Enfin, toute la grille en fait arrive, mais ça, c'est dépendant de moult choses et de l'alignement des fions avec les as. Donc sur la Powerplay, soit vous aurez l'émission de commentaires de Tasse avec Sinaël de 19h à 21h, suivi de la run du samedi soir, mais le mardi. Il y a un mind game, ça sera Dark Colette à 21h. Une fille qui a du skill. Console Mania, Monsieur Sapin, c'est à midi sur la rétro 1D. Il y a un trou de 15 à 17 des rediffs. Je garde le 17-19 afin de ne pas plonger les gens dans la confusion en changeant l'horaire. Et il y aura Atomium en soirée avec Styx. Sur la Gaming Lag TV1, il y a Moult au PSP, je n'en doute pas. Midi tout clic avec Alex Click, suivi de l'école des sacs de Timoth. Cult and Click, une émission sauvage apparaît, USA, Ken Vertier, Mizu, Neitraf, Guacassable avec Monsieur Karaté, est-ce que Monsieur Karaté va trop loin? Et sur la Pokéfion du Pokéfion avec Necro, à midi, ainsi que Dota, il y a eu un sub, semble-t-il, et Repfire. Mais Repfire, ça fait 11 mois de suite, c'est un resub. Merci beaucoup, les bisous, la bonne journée, ouais, c'est ça.